Bonjour les amis, c'était pour vous présenter un petit album que j'avais fait il y a quelques temps. Je vous ai fait une vidéo pour vous présenter plusieurs petits albums. Là, c'est pour vous montrer à l'intérieur, quoi, vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc celui-là, c'était un album sur les années 50, puisque j'avais pu trouver chez Action un album d'images prédécoupées qui relate cette époque-là, quoi, fin 40, début 50. On voit ici la petite image. Donc bah, j'avais fait un album là-dessus. Surtout que c'est des années que j'aime beaucoup. J'affectionne les années 50 américaines, 40-50 aux États-Unis. J'aimais bien l'ambiance, la mode. Voilà. Avec des petits tags à l'intérieur, petite enveloppe. Voilà, c'est avec ma tablette, c'est nettement beau l'image. Hein. Nettement moins beau l'image. Voilà. J'essaie de mettre de la lumière, mais étant donné qu'il fait un temps pourri. On est 63, l'année de ma naissance. Quelle belle année! Voilà. Là, j'ai fait comme ça. En fait, il fallait mettre des aimants, mais vu que les aimants que j'ai achetés n'aimantent pas du tout, donc voilà, là, il y a une petite pochette. Là, j'avais fait un petit trombone. Enfin, c'est pas un petit, d'ailleurs, c'est des grands trombones. Un petit saxo. Là aussi, tag. Bon, c'est pas un tag, ça, c'est un petit livret où on peut mettre des photos. Au moins 4-5 photos. Et là, une petite enveloppe. On peut y glisser aussi des petites choses. Voilà. Voilà, il y avait celui-là. Il y avait également celui-ci. Qui ferme par un petit lacet à poids comme ça. Là, j'ai rajouté un petit camé il n'y a pas longtemps. C'est pas un camé, enfin, c'est en forme de camé, mais avec des petites roses. Là, alors celui-là il est un peu difficile à ouvrir. Et alors là, avec la tablette, oulala, je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer celui-là. Parce qu'il veut pas tenir ouvert. Alors, c'était avec les papiers Action il y a quelques temps quand même. Tout le monde avait fait des albums avec ces papiers-là. Des papiers qui avaient eu du succès. C'est vrai qu'ils étaient jolis, mais bon, ah, il faut aimer le mauve, quoi. C'est joli le mauve, mais c'est un côté, enfin pour moi, un petit peu vieillot. Donc, bon. Là, j'ai mis du papier calque. Voilà. Et là, un petit livret. Voilà, où on peut mettre, c'est un petit livret accordéon, où on peut mettre encore une dizaine de photos. Voici, c'est pas facile, hein, si vous saviez, j'y arrive pas du tout. Parce que la tablette, c'est quand même lourd. Alors, d'une main, voilà, et je vous en montre un troisième pour le prix de deux. Celui-là, j'ai trouvé joli. Comment dire, l'harmonie des couleurs, mais bon, là, franchement, ça rend pas des masses. C'était dans les roses, vieux roses, crème et marron, un peu comme ça. Et avec le bois, les couleurs se prêtaient bien, quoi. Se prêtent bien, ou qui prêtaient. Là, j'ai mis. Je cherche ma main, c'est terrible. Une petite lampe à pétrole.
Voilà. Et je vais prendre ma main droite, c'est plus facile. Voilà l'intérieur. Pas mal, c'est joli celui-là. La fille qui s'envoie des fleurs, non pas que je vais m'envoyer des fleurs, mais il y en a pas mal sur qui m'ont présenté leur album et qui disent il est magnifique. Enfin, je disais, c'est bizarre de s'auto féliciter quoi. Moi j'ai des abonnés fantastiques qui me font des compliments, donc je les accepte volontiers et puis ça m'encourage. Et puis je leur dis encore merci au travers de cette vidéo d'ailleurs, si elle passe par là. Là, petite pochette. Voilà. Eh bien écoutez, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Il doit être dans les 17 h, on est dimanche. Il fait pas beau du tout. Et donc c'est des jours à scraper pour celles qui scrapent. Ou à prendre soin de soi. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!